le tracé du tram, hein, c'est dans un périmètre qui est comme celui-ci. Et donc là, l'idée pour nous, bah, c'est d'avoir l'entrée du bas et puis une entrée par le haut. Et là, visuellement et d'un point de vue sonore, on est éloigné du cœur du jardin botanique. Donc aucune nuisance visuelle et aucune nuisance sonore. Il y a effectivement un certain nombre d'inquiétudes sur le devenir du jardin botanique en lien avec le tracé du futur tramway. Et effectivement, nous avons aujourd'hui repris un certain nombre d'éléments sur l'histoire et la richesse de ce patrimoine et sur les opportunités qu'offre l'arrivée du tramway qui va desservir le jardin et mettre le jardin botanique situé au fond d'une rue de Villers-Nancy à moins d'un quart d'heure du centre-ville. Donc ça va vraiment être une belle opportunité pour encore mieux valoriser des collections et nous rendre encore plus accessibles. Il est au verger où on était tout à l'heure. Ouais. Il coupe là. D'accord. Il aboutit. Voilà, il aboutit et il monte. Il y a des propos qui disent que le jardin va traverser le jardin botanique. Il ne va pas le traverser, il va le contourner par la périphérie. Après, il y a des inquiétudes sur la dimension visuelle et sonore. Et en fait, on vient de reprendre le tracé et on se rend compte que ces nuisances, eh bien, elles sont quasi inexistantes, puisqu'on ne le verra quasiment pas le jardin botanique, qui va vraiment être sur la périphérie. Et puis, il y a des inquiétudes sur le patrimoine botanique. Et on a pu voir aujourd'hui que, concernant le verger conservatoire, qui est un peu vieillissant, eh bien, le tramway va permettre de le régénérer et de le mettre dans un secteur ouvert au public, puisqu'aujourd'hui, il est dans un secteur fermé. Donc, à nouveau, cette contrainte du tramway devient un véritable avantage pour encore mieux valoriser toutes nos collections. Je vais me passionner et m'engager autant pour ce jardin botanique que je ne l'ai fait à un moment pour la place Stanislas. C'est la place Stanislas verte, si vous voulez. Si je suis ici, c'est parce que j'ai compris un petit peu d'émotion, de curiosité. J'ai déjà reçu des personnes qui sont inquiètes, j'en recevrai d'autres certainement, mais dans une solidarité totale avec le maire de Villers et le maire de Vendeuvre, nous avançons avec la sérénité, la prudence et les moyens qu'il faudra pour arriver à un très beau projet qui fera du jardin botanique quelque chose d'accessible facilement depuis aussi bien la gare que de l'autre bout de l'agglomération. Donc c'est vraiment aujourd'hui une période où on peut comprendre les interrogations, le doute, mais il faut être serein, il faut être objectif, et il faut avancer ensemble. Dans ce parallélisme, cette convergence en quelque sorte, d'arrivée du tram qui vient de loin, qui monte en haut, et du jardin qui est ce qu'il est, mais qui peut être encore plus beau, plus ouvert, plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui, comment on peut faire du gagnant-gagnant entre le projet du tram et puis le jardin botanique. Il faut surtout que les gens, les voyageurs du tramway, les gens qui sont dans le tramway, voient depuis les fenêtres du tramway le jardin botanique. On est ensemble dans le tramway, on voyage ensemble et on partage ce qu'on voit tout le long de la ligne, c'est-à-dire le paysage qui s'offre au regard. Un ouvrage disons, qui est un ouvrage technique, le tramway, mais qui doit aussi être un ouvrage urbain, un ouvrage d'art, dit-on, qui veut dire que c'est pas simplement un moyen de transport, c'est aussi une manière de fédérer des éléments de la ville et de faire que chacun puisse en profiter. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui rend meilleur les parties qu'il traverse. Et en tout cas, c'est à cela qu'il faut travailler. C'est un site qui va facilement arriver à 250 000, 300 000 visiteurs. Ouais. Et le tram sera vraiment un atout pour le développement du jardin botanique. Donc le jardin ne sera pas détruit, il sera respecté au niveau paysager, respecté au niveau botanique, et il sera même encore plus valorisé.